Alors, qu'est-ce qui m'a fait répondre oui à l'invitation? C'était il y a un an et demi, hein? La surprise déjà qu'on ait pensé à moi, parce que je ne savais pas que les chants que je faisais en Belgique avaient une vie en dehors de la Belgique. Et en Belgique, ils n'ont pas une vie extraordinaire, donc voilà, je les donne à une communauté. Et puis, donc c'était de la surprise, de la curiosité. Et puis j'adore parler de l'écriture, me transmettre. Qu'est-ce que la musique dans votre vie? Qu'est-ce que la musique dans ma vie? Bah, la musique, c'est quand même beaucoup. Parce que depuis que je suis gamin, je sais que je veux faire ça et que je vais faire ça. La musique, c'est un peu comme une maîtresse, en fait. Alors, voilà. Désolé, ma femme. Voilà, je ne pourrais pas passer un jour sans. Si j'étais un instrument de musique, qu'est-ce que je serais? Bah, je dirais le piano, parce que je l'ai choisi. Avec une petite nuance pour le pianoforte du 18e siècle, voilà, de l'époque de Mozart. C'est peut-être ce qui me touche le plus. La Vierge Marie, moi je la vois comme une soprane. Mais c'est pas gentil pour les altis, parce que une altie qui fait des 12 dissonances, c'est quand même merveilleux, je trouve. Un message à faire passer aux 1100 personnes qui sont ici, je crois de chanter. Chanter parce que c'est bon. Je pense que c'est bon. Physiologiquement, c'est bon. Spirituellement, c'est excellent. Et puis, c'est quelque chose, on ne se lasse jamais de chanter. On ne s'en lasse jamais. Et plus on chante, plus on a envie de chanter. Donc, j'ai bien aimé certaines phrases de Fabrice Adjadj ce matin sur le chant. Et je pense que c'est vrai. Ce qui ne peut être dit, on le chante. Ça, c'est un peu négatif, peut-être. Il faut faire attention à ce qu'on chante. Mais le chant voilà, a une bonté et développe un bien qui est unique, je pense.